Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة. والسلام. والسلام. على. على. رسول الله. رسول الله. اللهم. اللهم. افتح لي. افتح لي. أبواب رحمتك. أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم Alors aujourd'hui les enfants, je suis très triste dans mon cœur. Oui, aujourd'hui je suis triste. Quoi ? Vous voulez savoir pourquoi je suis triste ? Oui. Parce que j'ai appris qu'un enfant de cette classe n'était pas gentil avec sa maman. Oui. Alors je ne vais pas dire si c'est un garçon ou si c'est une fille, mais en tout cas cet élève, il va se reconnaître. Cet élève a un mauvais comportement à sa maison. Un mauvais comportement avec sa maman. Et quand j'ai appris ça, j'étais très très triste. Est-ce que vous savez pourquoi je suis triste ? Non. Parce que c'est très très grave d'avoir un mauvais comportement avec sa maman. Et celui qui a un mauvais comportement avec sa maman, en réalité, il ne veut pas aller au paradis. Lui, il n'a pas envie d'aller au Jannah. Et moi, ça me rend triste, c'est le paradis. Parce que ceux qui ont un bon comportement avec leur maman, ceux qui s'occupent de leur maman, ceux qui aiment leur maman, moi, j'aime bien maman. Ceux qui patientent avec leur maman, eux, ils auront un bon comportement. Mais ceux qui n'ont pas un bon comportement, ceux qui ne patientent pas, qui boudent, qui répondent, qui crient, qui n'obéissent pas, qui n'écoutent pas, qui ne font pas ce que leur maman leur demande, eux, Allah Azza wa Jal, il ne sera pas content de eux. Parce que celui qui met en colère sa maman, il va mettre en colère Allah. Naam. Oui. Mais il va mettre ses chétans. Exactement, et celui qui met en colère sa maman, celui qui n'obéit pas à sa maman, qui répond à sa maman, qui fait des bêtises, en vérité, lui, il a écouté le chétan. Il n'a pas écouté Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, les enfants, nous allons nous rappeler de certains parmi nos pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, ce sont ceux qui sont les meilleurs des générations, les meilleurs des hommes et des femmes que la communauté musulmane a connus. Et ils ont commencé avec les Sahaba. Répétez les Sahaba. C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également avec les tabi'in, ceux qui ont connu les sahaba, ceux qui ont connu les compagnons, et les tabi'in, ceux qui les ont connus, parce que les trois premières générations sont les meilleures générations de notre communauté. Et on va voir quelques-unes des histoires qui vont nous prouver à quel point le musulman doit bien se comporter avec sa maman. Avec sa maman. Écoutez ce que nous rapporte l'imam Ahmed et l'imam An-Nasa'i
Et l'imam Ibn Majah, radiyallahu anhum, rahimahumullah, ils nous disent que Muawiya al-Sulami, radiyallahu anhum, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je veux partir avec toi pour combattre, pour faire les conquêtes. Je veux partir avec toi. Et je veux faire cela pour plaire à Allah Azza wa Jal et pour gagner le paradis. Est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, malheur à toi. Est-ce que ta maman est encore vivante? Est-ce que ta maman est à la maison et elle est encore vivante? Il lui a dit oui. Il lui a dit, retourne près de ta mère et sois gentil, sois bon envers elle. Ensuite, il est revenu lui parler. De l'autre côté, il lui a dit, ô messager d'Allah, je veux venir avec toi, faire la conquête, faire le combat en ta compagnie. Et je veux par cela qu'Allah il est content de moi. Et je veux par cela gagner le paradis et l'au-delà. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malheur à toi, ta mère est toujours vivante? Il lui a dit oui. Il lui a dit, retourne alors auprès de ta mère et sois bon, sois gentil envers elle. Ensuite, il s'est mis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première fois, il est venu sur un côté. La deuxième fois, il est venu sur l'autre côté. Maintenant, il est venu en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ô messager d'Allah, je veux partir avec toi, je veux voyager avec toi pour conquérir, pour faire les conquêtes, pour combattre auprès de toi. Et je veux qu'Allah il est content de moi et je veux gagner le paradis par cela. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante? Est-ce que ta mère est vivante et elle t'attend à la maison? Il lui a dit oui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, accroche-toi aux pieds de ta mère, parce que c'est là que se trouve le paradis. Il lui a dit, mais si, je jure par le Seigneur de la Kaaba. C'est qui le Seigneur de la Kaaba? Oui. C'est Allah. Allah Azza wa Jal, c'est lui, Rabbul Bayt, Rabbul Kaaba, le Seigneur de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est bel et bien là-bas, yani, au pied de ta maman, que se trouve le paradis. Agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Le paradis. D'accord, les enfants? Donc retenez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Répétez, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Falzamha. Falzamha. Fa innal jannah. Fa innal jannah. Tahta. Tahta. Rijlayha. فالزمها فالزمها فإن الجنة فإن الجنة تحت تحت رجليها رجليها accroche-toi à ta mère, accroche-toi à elle, parce que le paradis se trouve en dessous de ses pieds. Parce que le paradis se trouve en dessous de ses pieds. Pourquoi? Alors Ismaïl, il pose une question. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
comme dans ce hadith a cité que le paradis se trouve en dessous des pieds de la mer, c'est-à-dire que une des grandes portes pour aller au paradis, un des grands moyens pour aller au paradis, c'est d'être au service de sa maman. C'est de s'occuper de sa maman. C'est d'obéir avec, à sa maman. C'est d'être bon envers sa maman. Donc qui va prendre des bonnes résolutions et qui va être gentil avec sa maman? Qui va être bon avec... Levez haut le doigt. Qui va être bon envers sa maman? Tu vas pas être bon. Alors, est-ce que vous savez comment on doit faire pour être... Ou la première chose à faire quand on veut être bon envers sa maman, c'est de lever ses mains et de demander à Allah de nous aider. Donc on répète, dites Allahumma, Allahumma, a'inna, a'inna, ala zikrik, ala zikrik, wa shukrik, wa shukrik, wa husni, wa husni, ibadatik, ibadatik. Il faut toujours demander à Allah de nous aider.